une soirée exceptionnelle, effectivement, parce qu'il s'agit d'une tournée organisée dans toutes les capitales européennes pour promouvoir l'édition nationale des œuvres de Frédéric Chopin. Et cette tournée exceptionnelle organisée dans le cadre de la présidence polonaise de l'Union européenne fait une escale à Paris. Et je suis très heureuse que la Bibliothèque polonaise de Paris ait été choisie comme le lieu de prédilection pour ce concert. Une coéditeur de la plupart des volumes de cette édition nationale où nous avons le privilège aujourd'hui de profiter de son savoir pour nous expliquer pourquoi cette édition et pourquoi l'importance de l'édition au texte dans l'interprétation de l'œuvre de Chopin par les pianistes d'aujourd'hui. Le terme urtext, c'est un mot allemand, texte premier, original, authentique, fut employé pour la première fois dans la collection Urtext Klassischer Musikwerke, éditée dans les années 80 du 19e siècle par l'Académie royale des arts de Berlin, sous la direction d'Ernst Rudolph. La collection fut une réponse aux éditions qui abondaient à l'époque et dans lesquelles les rédacteurs transmettaient leur propre vision des œuvres éditées en complétant les signes d'interprétation originaux ou en les remplaçant par les leurs, en corrigeant la disposition graphique du texte, la manière de conduire. C'est pourquoi une édition critique des œuvres musicales doit s'adresser avant tout aux interprètes.